D'après toi, la faute revient aux médias? Bien sûr que si. Depuis un certain temps, quand j'allume la télé, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles. C'est toujours des gros tigres, jamais de bonnes nouvelles en gros tigre. Encore moins de mauvaises nouvelles en gros tigre. Oh, tu as raison, les réseaux sociaux ont toujours tendance à empirer les choses. Tu sais, les réseaux sociaux ne servent vraiment à rien. Tu sais, ça a tendance à mettre des mauvaises idées dans l'esprit des gens. Oui, c'est vrai, et ça contribue à la dépravation des mœurs. Ça, tu l'as dit. Oh. Oh, il est là. Oui, il est là. Coucou, chérie. Richard, je suis là-haut. Bienvenue. Super. Alors, quoi de neuf? Ça va, mec. Ah, mais où étais-tu depuis là? Ça fait un bon bout de temps. Ah, ouais, je sais. Regardons le match. Tu sais, mon équipe va massacrer ton équipe. Et devine quoi, Manchester ne pourra même pas remonter le score. Ah, t'as raison. Laquelle des deux est plus forte? Comment oses-tu comparer ces deux équipes alors que Manchester s'apprête à vous donner le coup de grâce? Richard, trêve de bavardage, regardons le match. Ça, c'est ce que j'appelle un esprit très fair-play dans le jeu. Regarde-moi ça. Regarde comment vous êtes dominés. Hein? Ah! Manchester! Ah, mais c'est quoi le problème de ce mec? Marquer des buts, c'est tout ce qu'on vous demande, rien de difficile. Mais calme-toi. Non, je ne me calme pas. Regarde, Jackson. Ah, c'est de l'argent gaspillé pour ce bon à rien. Vous aurez dû acheter de bons joueurs comme moi, par exemple. De grâce, donnez-nous Osimhen. Ah, il est nul, ce mec. Osimhen est un gagnant. Franchement, calme-toi. Ce qui est fait, tu ne pourras rien y changer. Ne t'en fais pas, le Chelsea que je connais, nous avons gagné la Champions la dernière fois, nous sommes les meilleurs. Tombe à le passé, encore le début de la saison. On verra bien où ça vous mène. On verra bien. Mon téléphone. Mon pote, c'était vraiment un très beau match, j'ai adoré. D'accord. Au moins, je sais que j'étais dominé à ce jeu aujourd'hui. Pardon, tu dis dominer mon œil. T'es juste un très mauvais perdant. Comment peux-tu célébrer une défaite? Qui fait ça? Pas de problème, on verra bien. Prochaine rencontre, c'est moi qui vais gagner le pari. Moi? Richard, écoute bien. Je serai ici à attendre patiemment que tu reviennes de toi-même verser ces larmes de crocodile comme tu sais le faire. Mon pote Richard, mon pote. Luciana. Oui. Je vais devoir vous laisser. Ok. Mon pote. Ouais. À bientôt. À bientôt. Hein. Je vais te rappeler. Ouais, allons-y. Quand tu verras mon club Chelsea. Je ne suis même pas inquiet pour cette rencontre. C'est ça, on verra bien. Oui. Je comprends pas. Donc je t'ai laissé ici. Je décide de sortir pour passer un appel. Et à mon retour, qu'est-ce que je retrouve? Toi en train de causer, de rire avec un homme, avec tes jambes croisées. Un homme? Bernard est ton ami, ton meilleur ami. Nous le savons tous. Et je n'avais pas les pieds croisés, c'était juste, je lui parlais, et j'avais ce coussin. Je suis désolée, je ne voulais pas t'interrompre. Viens par ici. Pardon. Viens, prêt.
Richard, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de me répéter. J'ai dit, viens plus près. Tu m'as manqué de respect. Tu ne m'as pas écouté. Et maintenant, tu veux me désobéir. Non, non, je ne ferai jamais ça. Ça, jamais. Alors, viens plus près. Richard. S'il te plaît, non, non, non. S'il te plaît, pas ça. Reviens là. Reviens ici. Ne m'empêche pas à me répéter. Je suis là, je suis là, je suis là. Cette chose ne doit plus jamais se répéter. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Sois un peu plus clair. Pourquoi dis-tu que tu veux plus que ça se répète? Reste absolument loin de tout homme qui ne soit pas moi. Lucas! Lucas! Lucas, Lucas. Tu ne sais pas que tu n'es plus un gamin. Tu es là à jouer toujours dans cette rue. Hein? Je ne sais même pas ce que tu fais avec cette fille, la grosse blague. Et le pire, c'est que vous utilisez un téléphone de bas de gamme pour vos vidéos. C'est quoi encore là? Un iPhone 7? Ce n'est pas un iPhone 7, c'est un XR. Oh, un XR. Lucas, tu es un blagueur. On a des iPhone 14, des iPhone 15. Tu es là à utiliser, on dit quoi, hein, XR? Mon ami, va travailler, utilise ton temps à bon escient, ok? Tu ne veux pas m'aider, alors j'y arriverai seul. Arrête de jouer, frangin, arrête de jouer. Il faut que ça change. Et pour le meilleur, ça doit changer.
Bébé, tu me pardonnes. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Bébé, je suis désolé. Désolé, d'accord? Tu sens si bon. Si bon. Tu m'as promis une nouvelle perruque, tu te souviens? Ah ouais. Ouais, ok, je... Laisse-moi t'aider. Ok. Fais-moi voir. Aïe, aïe, ah ouais, doucement. Je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé, bébé. Ça va? Désolé. Oui. Hein? J'arrive dans un instant. Je dois être là lorsqu'il te botte dans le cul. Ouais, écoute, tant qu'un club ne représente aucune menace pour Chelsea, je les supporterai fermement. Oui. 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 T'en fais pas, je me mets en route dans un instant. Hein? Déjà habillée et prête. C'est vrai que je ne suis pas fan de foot, mais je suis là pour t'accompagner. Allons-y. C'est quoi cette manière d'être agitée comme une puce tout le temps? Qu'est-ce que j'ai fait? Genre, tu sais pas ce que tu as fait. Tu n'as pas remarqué mon changement d'expression lorsque tu es entré dans la pièce. Toujours en train de plomber l'ambiance avec tes... Tu sais que je ne regarde pas le football, n'importe quoi. Je suis désolée. T'es désolée pour quoi? Je ne sais pas. Désolée pour tout. Désolée pour tout ce qui aurait pu te mettre en colère. J'ai porté ce maillot pour toi. Et de plus, on était censé aller regarder ce match de foot chez ton ami. S'il te plaît, pouvons-nous aller regarder le match? Allez, où? Avec la tête que tu as. Mon ami, allez, entre là-bas et mets un peu de maquillage. Tu veux sortir avec ce visage défiguré? Comme ça, le monde entier saura que ton mari ne te traite pas bien dans ta maison. Je m'en fiche. Crois-moi. Allez, entre là-bas et va mettre du maquillage. Tu veux sortir avec ton visage qui ressemble à une caricature? Hein? Tu veux sortir comme ça, le monde entier saura que ton mari ne te traite pas bien dans sa propre maison, hein? Je m'en fiche. Ils n'ont qu'à se mêler de ce qui les regarde. S'il te plaît, c'est juste pour regarder le match de foot chez ton ami, c'est ça, allons-y. Tu dis? I'm unavailable. Them no they see me. I'm unavailable. Mais elle est où cette fille? Là je suis obligée d'aller chez elle. Je pense que là c'est bon. Cette fille veut que je l'appelle. Elle n'est pas sérieuse. Si je gifle cette fille. Allô?
Comment c'est qui t'appelle? C'est Stella. Tu n'es pas sérieuse. Mais où es-tu, non? Tu es supposée être là depuis un moment. Eh Dieu, tu t'apprêtes à prendre ton bain. Mais viens prendre ton bain ici. Je ne te comprends pas. Ah, si tu ne veux pas que j'arrive là, ramène-toi sur le champ. Allez, dépêche-toi. Si je rate ce programme à cause de toi, je ne vais pas te le pardonner. Tu peux me croire, Lucia, je ne vais pas te le pardonner. Wallahi. Ok, tu penses que je plaisante. Allez, à toutes. Attends. Allez, viens. Avec un casse-croûte. Apporte un casse-croûte. Allô? Lucie. Cette fille. Tu penses que je plaisante. Ramène-toi sans ce casse-croûte, tu vas m'entendre passer. Et où est-ce que tu t'en vas habiller comme ça? Chez la voisine, j'ai promis d'aller lui rendre visite aujourd'hui. Retourne dans ta chambre. Je ne comprends pas là. Pourquoi? Mais pourquoi? De plus, je t'ai fait à manger au cas où tu aurais faim. De plus, elle est juste à un bloc de nous. J'ai dit retourne dans ta chambre. Je suis excité. Mmh? J'ai invité ton ami. C'est mieux. Je veux dire, ma maison est vraiment très confortable. Je t'aime. Attends, tu veux me faire avaler que t'as cogné ton visage contre le mur de la salle de bain. C'est pour ça que ton visage ressemble à celui de quelqu'un qui a reçu un bon coup de poing. Oh. Ah. Tu sais, tu... Écoute, j'ai l'habitude de me lever en pleine nuit pour boire de l'eau dans la salle de bain et la lumière était éteinte. Et ceci est arrivé. Oh, alors tu parles de l'eau. Je pensais que tu t'étais cogné la tête en marchant, en allant chercher de l'eau dans la salle de bain, parce que tu avais soif. T'as un réfrigérateur dans ta salle de bain maintenant. Stella, écoute, si je te le disais, tu ne le croirais pas. Dis-moi, je te croirais. Tu vois, j'ai l'habitude de prendre une bouteille d'eau pour chaque fois que j'ai envie de me mettre à l'aise dans la salle de bain. Tu comprends, boire et faire autre chose. Exactement ce que les hommes normaux font. Tu sais, ils font pipi, ensuite ils boivent de l'eau. S'il te plaît, Stella, pouvons-nous parler d'autre chose? Oh, comme l'émission d'Oprah que tu nous as fait rater. Stella, dis-moi, qu'en est-il de ton mariage? Tu sais, le mariage que tu organisais là, ton amie, comment est-ce qu'elle s'appelle encore? Becky? Oui, parle-moi de Becky. Et pourquoi te parlerais-je de Becky? Stella, écoute, je fais beaucoup d'efforts pour qu'on change de sujet là. Si je te dis que je vais bien, c'est que je vais bien. Ça, c'est... Pouvons-nous changer de sujet, s'il te plaît? Je vais bien. Tu es sûre? Crois-moi, à 100%. Ok, tu as gagné. Merci. Les préparatifs du mariage avancent très très bien. Super. Je t'ai envoyé un lien, WhatsApp, un genre de catalogue. As-tu cliqué dessus?
Je ne l'ai pas fait, mais je t'ai demandé de me montrer ce qu'elle va mettre, à quoi ressemble sa robe. Je n'en sais rien, moi. C'est pour ça que je t'ai envoyé le lien pour que tu m'aides, mais tu ne l'as pas fait. Oh, le lien, c'était pour... Je te l'ai envoyé. Pour quelle raison? Tu m'envoies toujours les liens, n'est-ce pas? Hey. Sur des choses peu intéressantes. Non, mais c'est ce que tu fais, hein. Alors, je suis Anna, qu'est-ce qui envoie les liens à tout va? Attends, mais... Comment occupes-tu des journées? Tout ce temps, hein? Quoi? Rien du tout. Rien non, non, laisse-moi tout. Deviner. Tu remplis tes bouteilles d'eau que tu gardes dans ta salle de bain pour qu'à chaque fois que tu veux te mettre à l'aise, tu en prends allez, une. Non. Allez. Pourquoi tu fais je ça, Je crois hein? ton histoire, non, c'est très intéressant. C'est... Serait-ce notre ravissante voisine Stella? Ah, oui, bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour. Coucou, chérie. Elle m'a dit que tu étais au boulot. Oh oui. Je vais dire, j'ai dû aller au boulot et elle m'a fait comprendre que tu devais passer aujourd'hui, alors j'ai pensé que vous auriez besoin d'un peu d'espace. Oh, de l'espace. Oh, comme c'est gentil. Merci. Elle viendra passer la nuit chez moi. Je l'invite prochainement. Tu m'invites à passer la nuit? Tu trouves pas que c'est un peu trop, là? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es supposé venir chez moi aujourd'hui. Tu t'en souviens? Et pour une raison que j'ignore, elle ne l'a pas fait. J'étais obligée de venir ici. Alors, elle viendra. Pas d'excuses. Ouais, plus question de se trouver des excuses. Je constate que tu étais sur le point de partir. Oui. Oui. Elle ne m'a proposé ni à boire, ni à manger. Je pensais que tu suivais un régime, mon amour. Tais-toi. Ok, ouais. Tu sais que tu aurais pu mettre du maquillage pour cacher ce truc sur ta face. Mais je porte déjà du make-up. Cette bosse devient de plus en plus grosse, donc le make-up n'aide pas. Va dans la chambre, j'arrive. Lucie. Ouais. Mais non, Oh, fais une passe. Pourquoi tous ces joueurs sont si égoïstes? Le match n'est pas fini. Je suis désolée. Tu savais très bien que tu pouvais attendre. Juste attendre où tu étais, que ce soit au marché ou chez ton ami.
attendre jusqu'à ce qu'il parte. Mais non. Non! Il a fallu que tu choisisses de rentrer maintenant. Écoute, ce n'était pas intentionnel. Si j'avais su qu'il était encore là, je serais restée à l'extérieur. Je suis désolée. Maintenant, Bernard pense que je suis un monstre. Non, tu n'es pas un monstre. Écoute, je te comprends. Je sais que tu as traversé tout un tas de traumatismes quand tu étais gamin et que tu n'es pas totalement guéri. Je t'aime et je comprends. Mais toi, Juno. Allez, à l'allure où tu vas, un jour tu vas me tuer. Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas des mots, s'il te plaît? Tu sais, qui aime bien châtie également bien. Luciana, je t'aime. Et jamais je ne te laisserai. Je continuerai d'être dur. Alors tu vas te mettre à genoux, putain! S'il te plaît. S'il te plaît. Je me suis déjà agenouillée. S'il te plaît, peu importe ce que tu veux faire, juste fais-le rapidement. S'il te plaît, peu importe ce que tu veux faire, je suis déjà à genoux, frappe-moi où tu veux, s'il te plaît, mais pas le visage, s'il te plaît, pardon, je suis à genoux, pardon. Oh mon Dieu, Lucie! Lucas, regarde comment tu es crasseux. Tout ce que tu sais faire, c'est de gâcher ton avenir. À chaque fois que tu viens à la maison, c'est soit pour manger ou dormir. À présent, la rue est devenue ta maison. Puis-je dire quelque chose? Dire quoi? Je... Chaque fois que je viens ici, je te trouve en train de me foutre la honte. Je peux tout expliquer, frère. Si tu me laisses parler, je pourrais tout expliquer. Tu te souviens du seul coup que tu m'avais fait la dernière fois? Quand tu m'as menti, disant que c'était juste une farce. La prochaine fois que tu réessayeras, crois-moi, tu auras affaire à moi. Menteur pas tenté. Je me rends. Mais écoute, frère, laisse-moi te dire... Tant que je vivrai, moi, Lucas, je réussirai. Mes efforts finiront par payer, ne t'inquiète pas, ça finira par payer. Lucas, à présent je sais que tu es fou. Qui va te sponsoriser? C'est mon argent que tu guettes? Que le tonnerre te frappe, idiot. Tu veux mon argent pour sponsoriser toutes ces conneries que tu fais? On verra bien. Et à propos, qui est cette chose? C'est un être humain que tu traites de choses. Bref. Qui est-ce? Elle sait. Miracle, alias l'oracle des photos. Mi quoi? Miracle. Coucou. Dis bonjour à mon frangin. Bonjour. Elle te salue, mec. Réponds. C'est que je sais qu'il l'a fait, n'est-ce pas? Je sais que j'ai des contacts qui peuvent appréhender cet animal, n'est-ce pas? Je n'ai qu'à passer un seul coup de fil.
J'appellerai pour le faire arrêter. Ensuite, on ira à l'hôpital. Je ne voudrais pas aller à l'hôpital, Stella. Si tu y impliques encore quelqu'un d'autre, il me fera encore plus mal, s'il te plaît. Es-tu folle? Es-tu folle, Luciana? Cet homme a littéralement changé sa maison en un grand hôpital, on dirait, en centre d'urgence. Il peut se permettre de te frapper pour ensuite jouer au docteur. Et toi, la patiente, tu es là, le défendre. Allez, dis-moi. Peut-être c'est moi qui perds la tête. Lucie, es-tu folle? Stella, je suis folle. Je suis folle. Que veux-tu que je dise? Que veux-tu que je te dise? Je connais Richard. C'est moi qui vis dans cette maison. C'est quelqu'un de bien. C'est un bon compagnon. Il a juste vécu dans son foyer instable où il voyait son père frapper sa mère jusqu'à ce que le pire arrive. Crois-moi, c'est ce qui risque de t'arriver. Non, ça ne m'arrivera pas. Il ne le fera pas. Il connaît ses limites. Il se retient quand il sent qu'il est à bout. Il ne veut pas ressembler à son père, crois-moi. Il essaye de changer. Doucement. Tu n'es pas sa femme. Pourquoi restes-tu avec lui? Je ne sais pas. Stella, nous sommes tous les deux orphelins. Et peut-être que nous voulons combler ce vide l'un pour l'autre. C'est juste, peut-être que je pense que j'ai besoin de lui, j'en sais rien. Je suis sûre et certaine que c'est ce que Richard veut. Et qu'en est-il de ce que toi tu veux? Qu'en est-il de ce que toi tu veux? Je sais ce que je veux. J'y crois pas. Je ne sais plus quoi penser. Tu ne mérites pas de la pitié. Je n'ai plus du tout pitié de toi. Ne me juge pas. Non. Sois juste là. Sois juste à mes côtés. Sois mon ami. Ne me juge pas. S'il te plaît. Tu es si pitoyable et idiote. Ne m'insulte pas, s'il te plaît. J'ai juste besoin d'une épaule. S'il te plaît, Stella. C'est parce que je suis ton amie. Viens là. Idiote. 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 Ah! Attends, attends. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est-ce que tu vas? Tu entres même sans frapper. J'ai frappé. Tu étais sûrement endormi, alors j'ai décidé d'entrer. Ok, Richard n'est pas encore entré. Tu peux repasser plus tard. Je sais, je sais. Je sais, il arrive. J'ai apporté du vin, le boire en regardant le match. S'il te plaît. Tu peux rester à l'extérieur et l'attendre, s'il te plaît. Il n'est pas à côté. Que je reste dehors? Es-tu sérieuse? Bernard, ce n'est pas ça, c'est juste que... Écoute, ça ne te fera pas de mal si tu restes dehors. Attends, Richard, pas dans la maison. Tu plaisantes là, je reste là. Tu peux pas me demander de rester dehors, il menace de pleuvoir. S'il te plaît, ok? Moi, rester dehors.
Salut, Bernard. Coucou, chérie. Ça fait juste 5 minutes qu'il est là. Dis que c'est celle qui a refusé de me parler depuis que je suis là. Attends un instant. Je vois que tu as fini par changer de club. Richard. Ouais. Sais-tu que Luciana m'a fait attendre dehors? Je veux dire, elle m'a littéralement demandé d'attendre dehors jusqu'à ce que tu reviennes. Mais qu'est-ce que tu lui prends? Oh, Franche, prête pas attention. Tu sais comment sont les femmes, hein? Peut-être qu'elle était juste un peu gênée à l'idée de se retrouver toute seule avec un homme dans la même pièce. Un homme? Je ne suis quand même pas n'importe quel homme. Je suis ton pote. Tu sais quoi? Je suis pressé. J'ai besoin de repos. Alors, je te verrai probablement plus tard. Attends, mais calme-toi. T'es venu pour qu'on regarde le match, alors allons-y. On va regarder le match ensemble. Et on prendra plaisir à regarder ce match ensemble. En plus, je suis rentré un peu plus tôt à cause de toi, alors... Te fais pas prier. Ouais, bien sûr. Je file. Je connais le chemin. Mec. C'est lui qui l'a acheté. Oui, c'est lui. T'as bien fait. Compris? Merci. Bonjour. Bonjour. C'est vous ma voisine? Oui. Ah ah. Je m'appelle Stella. Moi, c'est Desmond. Oh. Salut. Soyez le bienvenu. Merci. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu.
écoute. Écoute, tu n'as pas frappé à la porte. Tu devais attendre que je vienne te dire bonjour. Vas-y, entre. Et là, tu es là. Allez, du calme, du calme. Patience. Ok, t'es pas contente. J'ai fait une promesse. Dans mon cœur. Que je ne laisserai jamais qui que ce soit répondre à la porte avant que je n'entre. Même si je constate que ça t'a offusqué. Alors, je suis désolée. Ah, c'est bon, je te comprends. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Bonne nouvelle? Oui, une bonne nouvelle. D'accord, bonne nouvelle. Articule, je t'écoute. C'est quoi ça, articule? C'est quoi ces gros mots? Mon amour, écoute, avant que tu ne débarques chez moi, en fait, j'étais en train de vouloir faire ressortir l'actrice en moi. Oh, avant que tu ne m'interrompes. Elle est bonne, celle-là. Alors, dis-moi, c'est quoi la bonne nouvelle? Alors? Mm-hmm. Desmond invite tout le monde à sa fête de bienvenue. Et tu sais que j'adore les fêtes. Ah, oh, mais qu'est-ce que je vais mettre? Je m'interroge. Qui est Desmond? Oh, le nouveau voisin. Et qui est le nouveau mec? Nous avons un nouveau voisin. Oh. Et il est... Luciana, il est à croquer. J'ai pratiquement bavé en le voyant. Oh mon Dieu, oh. Allô? Il est ça, c'est quelque chose. T'as quelque chose entre les mains, n'est-ce pas? Tu t'apprêtes à aller au marché? Et alors? Mon amour, hein? S'il te plaît, lève-toi, sors de ma maison et va d'abord au marché. Attends, je n'ai pas fini. Ah, son corps. Lucie, son corps, son physique. Il te donne l'envie. Il donne l'envie de le manger vivant. Hey! Pardon, vas-y d'abord au marché. Nous parlerons de ça plus tard. S'il te plaît. C'est important. Je reviens. Et là, je te dirai tout. Oh mon Dieu, ce mec est si mignon. Je sais. Oh. D'accord. Que Dieu bénisse Stella. Il y a une fête chez notre nouveau voisin. Je pense qu'il s'appelle Desmond. Il nous a invités à sa fête de bienvenue ce week-end. Apparemment, ce jeune garçon a de l'argent à jeter par la fenêtre. Bref, je vais bosser. Prends soin de toi. Et sois sage. J'espère pouvoir écrire quelque chose aujourd'hui. Ok. Là. Oh. Pourquoi est-ce si difficile d'avoir une inspiration? Pourquoi? Ok. Oh. Oui, tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. Oui, je peux faire ça. Oh.
C'est donc ça, le yoga. J'adore. Dis-moi. Comment tu vas? Tu vas bien? Oui, je vais. T'es sûr? Je vais très bien. Mon Dieu, t'es allé au marché avec Desmond, Lucie. Attends. Pourquoi j'ai l'impression que tu as vraiment apprécié? Mais c'est exactement ce que tu fais. Ah, c'est une blague. C'est une blague, madame. C'est grave, oh. Je prends tout au sérieux. Parce que je te dis, si c'était moi, j'aurais adoré. un instant. Allez, dis-moi, meuf, as-tu acheté quelque chose pour toi? Pour moi, ton ami. Allons. Oh, vilaine fille. Attends une minute. Coucou, chérie, tu es là? Allô? Allô, Lucie? Cette fille est stupide. T'en fais pas. Je m'occuperai de toi plus tard. Elle était vraiment au marché avec Desmond? Hey, Seigneur Jésus-Christ. Lucie, on en reparlera.
Qu'ai-je fait? Ai-je fait quelque chose de mal? Bien sûr que si. Figure-toi que Madame Shadi m'a appelé. Et elle m'a dit qu'elle t'a vu. Elle t'a vu te pavaner avec un autre homme sortant du supermarché. Main dans la main, les yeux dans les yeux et qui sait, peut-être tu l'embrassais après. Non. Ce n'est pas ainsi que cela s'est passé. T'es-tu ou ne t'es-tu pas? Rends-tu dans ce supermarché? Oui, je l'ai fait, mais... J'y crois pas. Luciana, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu veux me couvrir de honte? Non. Qu'est-ce qui te manque? Je te nourris. Je prends soin de toi. J'ai toujours été là lorsque tu avais besoin de quelqu'un. Je suis ton père. J'ai été ta mère. Également ta sœur. Ton frère et ton tout. Oui, tu as totalement raison. Mais ce n'est pas du tout ce que tu penses. Attends, je suis allée au marché et... Oh, mon Dieu. Nous sommes allés au supermarché ensemble et... La ferme! Ferme ta gueule! S'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît, chérie, calme-toi. Chérie, je... Mets-toi là. Chérie, s'il te plaît, remets ta ceinture. S'il te plaît, mets-toi là. Je sais, mais remets ta ceinture. Que je remette quoi? Ta ceinture. Dis-moi que je remette quoi? Ta ceinture. Ton pantalon risque de tomber. S'il te plaît, chérie, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. Calme-toi. Chérie, s'il te plaît, calme-toi. Lucie, pour ton bien et tout ce que tu connais dans cette vie. Je suis déjà à genoux, ne fais pas ça. S'il te plaît, je connais déjà ma punition. Je ne veux plus avoir à me répéter. Mets-toi ici. Chérie, oh mon Dieu, aide-moi. Oh, reviens. Oh mon Dieu, oh. Merde. Luciana, ouvre la porte. J'ai dit ouvre cette porte. Ouvre cette porte, Luciana! Ah. Bonjour, frangin. Bonjour à toi, cher voisin. Ouais, je vois que tu essaies de laver ta voiture. Ouais. Bien. Rappelle-moi, s'il te plaît, quand est-ce qu'aura lieu ta fête de bienvenue? Ce vendredi? Exactement. Dieu merci, c'est vendredi. C'est bon, tu peux retourner à tes occupations. D'accord. Ouais, à très bientôt. J'ai juste quelques trucs à prendre dans ma voiture. D'accord. I deserve better.
Mais où est-il? Où est-il? Pourquoi ne prend-il pas l'appel? Salut. Écoute, je peux tout t'expliquer. Vas-y, je t'écoute. Ne penses-tu pas que tu es trop dur envers ton frère? Oui. On dirait qu'elle n'a rien qui puisse te rendre heureux, c'est ça? Je t'ai observé. Tu passes tout ton temps à le frustrer. C'est quoi ton problème? Pourquoi agis-tu ainsi? C'est ton petit frère, pour l'amour de Dieu. Tu dois chercher ce qui le rend heureux et le soutenir. L'amener à se sentir en sécurité près de toi. Je suis désolée si j'ai été en polio. Lucas, je t'attends. Je te le jure. Ce n'était pas mon idée. Dégage de ma vue. Ce n'était pas mon idée. Dégage! Ne te fâche pas. Dernière carte. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Si tu le dis. Attends, tu vas voir. Tu aurais dû garder celle-ci. Celle-ci, tu étais censé jouer une autre couleur. Hé hey, Tu cringes. Qu'est-ce que tu fais? Étoile. Petite cricheuse. C'est pourquoi? Juste comme ça. C'est à moi de jouer. Ok, d'accord. Je dois l'avouer, je suis très 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 contente. Très contente parce que... Je n'arrive pas à croire que tu aies pris du temps hors de ton boulot pour passer du temps avec moi. Oh, disons que c'est parce que je suis gentille. Mais qui a dit que j'avais pris un congé? Je suis indépendante. Donc, de plus, je ne te crois pas. Donne-moi une croix. Tapis, quelque chose me dit qu'aussitôt que je serai partie, tu retourneras immédiatement chez ce monstre. Quoi? Il a un nom, tu le sais très bien, n'est-ce pas? C'est quoi son nom? Richard! Hé, hey, diable! Je. Alors, très bien. Quoi? Je pensais que tu venais de défendre ton fameux Richard. Regarde comment tu trembles. C'est pas vrai. Quelle heure est-il? T'as quelle heure à ta montre? Ok, il est midi passé. Ce n'est pas lui. Il est encore au boulot. Je veux en être sûre. Et c'est pourquoi? Je ne veux prendre aucun risque. Oh. Oh, c'est... Pourquoi t'as mis autant de temps pour ouvrir la porte? S'il te plaît, prends place. On jouait aux cartes. Salut Desmond.
Oh, tu as apporté un gâteau? Très bien. Pour nous deux. Ou pour Luciana seule. J'espère que tu sais que t'as interdiction de venir à ma fête ce soir. Hein? Ne t'en fais pas. J'ai quelques très belles tenues pour elle. Nous avons de très belles robes. Nous allons les porter. Allez, voyons, ne sois pas bête. C'est juste une simple fête, on n'a pas besoin de... Tu sais, vous pouvez porter ce que vous voulez. Nous ne mettons pas n'importe quoi. Nous portons de très belles choses. Tu viendras, Lucie. Ouais. Besoin de quelque chose? Oui. Merci. Merci. Il faut que j'aille à la cuisine. Je reviens. Desmond, je n'ai jamais ri autant que je l'ai fait aujourd'hui. Ah, je suis sûr que non. Et Aya, merci d'être venu. Merci de m'avoir accueilli parmi vous. Merci à toi pour l'invitation. Quoi de neuf? Les mecs, ça me touche vraiment le fait que vous ayez accepté d'être là. Merci beaucoup, ok? C'est très gentil. J'apprécie, les gars. Je suis très touché. Alors, quoi de neuf? Tu ne tiens pas à voir mon autre visage. Tu ferais mieux de me suivre immédiatement à la maison. Ok, bien, bien. Laisse-moi juste poser ce verre. Stella, je vais bien. Tu vas bien? Oui. Tu veux rentrer? Ça ne va pas, non? Desmond. Jean Bosco. Merci d'être venu, hein? Merci. C'est très gentil. On est ensemble. Merci beaucoup. D'accord. Bye. Ok. Maître, écoutez. Maître! Non, c'est vous qui devez m'écouter! Vous ne me dites pas quoi faire! Allô, papa. Bonjour, papa. Comment tu as dormi? Oui. J'ai reçu ton message. Papa, écoute, la vérité, c'est que je ne suis pas intéressé par ta compagnie. J'aimerais continuer à travailler comme un simple agent immobilier. J'aime beaucoup ce que je fais. Tu me connais, papa. Tu me connais. Je déteste le luxe. Quoi? Je ne comprends pas. Attends, papa, tu veux dire? Tu veux dire que si Maître ID n'a pas ma signature avant la fin de ce week-end,
l'entreprise familiale sera liquidée. Mais pourquoi ? Ok, papa. Ok. D'accord. Je vais réfléchir par rapport. Non, non, je ne viendrai pas à la maison. Je vais réfléchir ici. Après, je te donnerai une réponse. Oui, papa. Oh. Je ne comprends pas. Coucou la marmotte. Bonjour ma chérie. Alors toi, mets ça c'est à moi. Je pensais t'avoir acheté quelques vêtements. Ne t'en fais pas, je vais commencer à les porter dès demain. Je savais, je vais bosser. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, n'essaye pas de retourner dans cette maison à mon absence. Tu restes là. Bref, fais comme chez toi. Jusqu'à ce que tu prennes tes effets, que tu trouves un job, pourquoi pas un appartement. Tu restes là. Hmm? Je serai sage. Pas de problème. Merci, je t'aime. Je t'aime aussi. Bonne journée. Prends soin de toi. Oh, bisous. Que Dieu te bénisse, Stella. Que Dieu te bénisse abondamment. Miracle, je veux que tu fasses ce pour quoi tu es payé. Bien sûr que je le fais. Écoute, tu penses que j'ai oublié? J'ai acheté ça pour toi. Ah, non, 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 non. Franchement, tu sais que je ne mets pas du n'importe quoi. Je ne mets pas ce qui est démodé. Je ne peux pas. Comme ça, tu trouves que c'est démodé? Je l'avais pris pour tes photos. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Si tu as quelque chose à faire, au moins dis-le-moi, ne me laisse pas dans l'ombre. À présent, j'ai perdu mon temps à te chercher ces habits. En fait, tu as raison, je suis vraiment navré. Ok, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok, voici le truc. On va faire ceci. C'est très simple et bref. Alors, moi, je marche. Je mets un pied devant. Tu avances, j'avance et on se regarde dans les yeux avec un pied en avant. Ensuite, tu refuses de me céder le passage. Et moi, j'en fais aussi de même. Pendant qu'on s'affronte du regard, Miracle ici présente, l'oracle de la photo, va passer deux fois. Mais à son premier passage, elle va passer en tant qu'une jeune, avec cette apparence. Puis au second passage, là où elle sera très vieille, très vieille, du genre les cheveux quittent. Puis toi et moi, on va rester plantés là. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Mais c'est très amusant. Comment? C'est une grâce, la grâce de Dieu. Ah. Dorénavant, je ne te traiterai plus de nonchalant et d'idiot, mon pote. J'entends ça. Pas de soucis, mais mon pote, elle a un nom vraiment bizarre. Non, je suis sérieux, ton nom est bizarre. C'est quoi Oracle? C'est quoi Miracle? Écoute, toi, avec une telle beauté, Ming Ming. Tchai, écoute comment ça sonne bien, Ming Ming. Mon pote. Et toi? Merci. Tu as une grosse tête. Alors, je te donnerai un nom, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, feu vert, qu'est-ce que tu en dis? Feu vert. Parce que mes chaussures sont vertes, bah c'est ouais, pour ça que tu me fais feu vert. Laisse ma tête, qu'est-ce que tu fermes? Tu parles trop, c'est bon là. Qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Alors, qu'est-ce que t'en penses? DJ feu vert. Qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Je pense. DJ feu vert. Je pense. Feu vert. Attends que je réfléchisse. Attends, attends. DJ feu vert. Mec, je n'ai pas que ça à faire. Je n'ai pas que ça à faire. C'est moi le nouveau DJ feu vert. Allez, on y va. Allez, allons-y, allons-y, allons-y. DJ feu vert. Donc, voyons voir ce qu'il faut faire. La porte va chercher le trépied, le trépied. Donc, voilà ce qu'on va faire. Thank you.
Tu as appris ça de moi? Tu viens juste d'interrompre une bonne méditation. Bonjour. Salut. T'es sûre de ce que tu fais? Je suis sûre. Je suis très très sûre. Au moins, laisse-moi encore essayer juste une fois. Je suis vraiment sûre. Ok. Tu le fais, s'il te plaît? Ou alors, je dirais à Stella que tu me l'as refusé. Oh non, 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 ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Ok. Pas besoin d'appeler. Ouais, je sais. Il sonne. Laisse-moi t'aider à porter ce sac. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras bien, allons-y. Bienvenue, bébé. Merci. Luciana est ma femme. Raison de plus pour prendre soin de ta femme. À très bientôt, voisin. Je me demande si elle va bien. Dois-je l'appeler? Non, non. Et s'il décidait de la frapper? Oh, que puis-je faire? Comment avoir de ses nouvelles? Oh, Desmond, 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 réfléchis. Peut-être je n'ai pas à m'inquiéter et juste espérer que tout va bien. Non. 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 J'en doute fort. Desmond? Ouais. J'ai apporté du vin. Oh, super. Bienvenue. Prends place. Assieds-toi. Bienvenue. Merci. Ok. Bienvenue, madame.
Yves, comment tu vas? Bien, merci. Et le boulot? Ça va, vous êtes belle. Merci, comme d'habitude. Quelque chose pour moi? J'en ai pas, prochainement. D'accord. Qu'est-ce que je suis épuisée. Lucie? 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 Ah ah. Lucie? J'espère qu'elle ne dort pas. Qu'est-ce qui arrive à cette fille? Tu dors? Hein? Si je ne l'avais pas aidée, on aurait dit que je suis une mauvaise amie. Alors, dis-moi, Lucie. Lucienne. C'est son prénom. S'il te plaît, appelle-la comme ça. Ah, c'est compris. J'ai noté. Ok, alors dis-moi. Luciana. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Oh, allez, je veux dire, tu peux lui répondre, vas-y. Allez, sois poli. C'est notre invité. Oui, j'écris des sortes de poèmes. J'essaye de... mes émotions, j'essaye de les mettre sur écrit. De cette façon, je peux voir le monde à travers eux. Waouh, c'est super. Merci. S'il te plaît, puis-je voir l'une de tes œuvres? Hein? L'une de tes œuvres. Ok. D'accord. Je reviens. Je ramasse ça. Avant que tu n'arrives, je m'apprêtais à regarder le match. Comme tu le sais, il y a mon équipe favorite qui joue ce soir, alors je suis certain qu'ils vont les battre. Je n'en doute pas. Ok, merci. Oui. Waouh. C'est pas grand-chose, parce que je n'étais pas vraiment concentrée. Tu plaisantes ou quoi? Mais c'est magnifique. Dis-moi, pourquoi tu ne tires pas profit de ce magnifique chef-d'œuvre? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas. Wow. Je vois que tu as surnommé ta pièce, ton journal. Crois-moi, si ça se retrouve sur le marché, ça va faire un malheur, honnêtement. Richard, je pense que... Nous devrions remettre ça plus tard. Quoi? Oui, c'est que... Comme tu peux le voir, ma Luciana et moi, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Oui, et j'espère que tu ne verras aucun inconvénient à cela. Ok.
Ok, à plus tard alors. Je passerai une prochaine fois. Bien sûr. Je t'offre. C'était un réel plaisir. Ouais, passe une bonne journée. Ok. Oh, merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Ah, bonjour, Richard. Bonjour, Desmond. Ah, bonjour, Luciana. Comment tu vas? Tu peux retourner dedans, ok? Sois prudent. Oh. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais encore là? Je t'ai dit d'entrer! Ah. Jésus. Ah. Jésus. Ah, Richard. Ah. Bonjour. Bonjour, Desmond. Ouais, elle est à la maison, Luciana. Ok, pourquoi tu demandes? Ah, je voulais juste l'informer d'un boulot relatif avec son domaine. Oh, mais c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ah, mais t'en fais pas pour ça, je lui dirai à son retour. Pour l'instant, elle n'est pas à la maison. Ouais. Vraiment? Oui. Mais... Ah... Pom-pom, s'il te plaît. Bonjour, Desmond. Je voulais te demander, as-tu des nouvelles de ton amie Lucia? Non. Et je n'ai pas envie de savoir où elle peut être. Bonne journée, Desmond.
C'est quoi ce bordel? Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? maman, écoute, non, non, écoute-moi, maman. Je ne suis pas un enfant. Je comprends parfaitement ce que tu fais, ok? D'accord, d'accord, maman, d'accord. Est-ce que maintenant tu peux te calmer? Je parlerai à Maître Banjo et je signerai les documents. Peux-tu manger maintenant? Oh, maman, écoute. Ah! Je t'aime aussi, maman. Je sais ça. S'il te plaît, vas-y. Maman, écoute. Je suis au milieu d'une affaire très importante là maintenant. Bye. Bonjour. Ah, Richard. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai des choses très importantes à gérer maintenant, alors occupe-toi de tes affaires. Je t'ai à l'œil. Quoi? Quoi? Pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas mes appels? Qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? Richard! Richard, tu es là? Richard! Ah. Bernard. Richard, j'ai frappé, je t'attendais. Rentre chez toi, rentre. Richard. Hé, Richard.
Richard! Salut. Richard. Qu'est-ce que cela signifie? D'où est-ce que tu viens? Ah, mais je pensais que tu n'habites pas ici, tu ne vis même pas de ce côté. Je voulais juste jouer avec toi. T'as toujours l'air trop sérieux. Je n'ai pas de temps pour tes jeux bidons, ok? S'il te plaît, occupe-toi tes affaires. Sinon, je n'hésiterai pas à t'enseigner une leçon que tu n'oublieras jamais. Hein? Attends. Donne une leçon à qui? Apparemment, tu me confonds, Luciana. Laisse-moi te dire, je viens de la rue. Ne regarde pas où je vis, oh. Je viens de la rue. On est timide de pas. Est-ce que t'as pigé? S'il te plaît, retourne à tes occupations, ok? S'il te plaît. Bon, attends. Qu'est-ce que t'es et là? Et quoi est-ce que cela te concerne? Je peux voir une corde et autre chose. C'est quoi ton problème? En quoi est-ce que cela va t'aider? Où est Luciana? J'essaie de la voir. Je n'arrive même pas à la voir au téléphone, ni nulle part. Où est Luciana? Bien. Qu'est-ce que tu fais? T'as demandé des explications. Tu vois ça? Est-ce que tu vois ça? C'est moi la victime ici. Je n'aime juste pas me rendre dans des hôpitaux pour les traitements. Donc j'essaie de trouver un moyen pour me soigner moi-même. Ok? Et concernant Luciana, elle n'est pas là. Elle est partie pour son village natal ou un truc du genre. Mais si elle revient, je lui dirai que tu t'es inquiété pour elle. S'il te plaît, va-t'en. Merci. Quel village? Où est Luciana? De quel village tu parles? Richard! Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu. Stella, calme-toi. Écoute, respire un bon coup. Qu'est-ce qui se passe? Ok, prends place. Non, je ne peux pas m'asseoir. Luciana, t'a-t-elle dit un jour qu'elle était orpheline? Elle est? Oh. Luciana est orpheline. Mon Dieu. Et ce n'est pas tout. Elle a grandi dans un orphelinat. Comme ça fait mal à entendre. Alors au fait, dis-moi, d'où vient-elle? Je veux comprendre. Qu'est-ce que... Les enfants qui viennent de l'orphelinat ont en commun? Beaucoup de choses comme... 99% ne connaissent pas leurs origines. Mais accouche. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis allée voir Richard. Je reconnais d'être allée un peu trop loin, mais je voulais savoir où est Luciana. Alors je suis allée voir Richard et je lui ai demandé où est Luciana, je veux savoir. Et Richard m'a dit que Luciana est allée rendre visite à sa famille dans son village. Mais... elle n'est pas au village. Tu as compris. Bonté divine. Et puis je l'ai vu avec un plastique rempli de bandes, de seringues, de gants, et rempli de toutes ces choses. Et des bandes remplies de plein de sang. Il m'a dit qu'il était blessé, mais je ne le crois pas. J'ai très peur, je ne sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Quoi? Oh mon Dieu. Oh, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Luciana. Lucie. Allô? Allô? Lucia. Bonjour. Qui êtes-vous?
Je vous retourne à la question. Qui êtes-vous? Ok, je m'appelle Desmond. Je suis un voisin et un ami qui s'inquiète pour Luciana. Un ami? Richard l'a-t-il accepté? Je ne sais pas. S'il vous plaît, pouvez-vous l'appeler? Je n'ai pas son numéro. Ça fait un bout que je frappe et personne ne répond. Tu peux noter. Oh, ok. C'est bon, vas-y. Ok. 3, 2, 0, 8, okay. 7, 4, 7, 6. J'ai essayé de l'appeler toute la journée, mais elle ne décroche peut-être pas. Peut-être qu'elle pourra finalement décrocher. Ça sonne. Elle ne décroche toujours pas. Essayez encore. Essayez à nouveau. Ça sonne à nouveau. Bonté divine. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sonne à l'intérieur. Bonté divine. Je pense que nous devons appeler la police. Non, non, écoutez. Non, au préalable, nous devons d'abord savoir de quoi il en est. Ok? Parce que je ne veux pas que nous forcions cette porte. Je crois que c'est un cas de force majeure. Je ne veux pas imaginer le pire. Oh, bon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'espère juste que tout va bien. Vous savez quoi? Je vais trouver un truc pour ouvrir au supermarché Maca. Je vais le chercher. Alors, dépêche-toi. Je viens tout de suite. Es-tu d'accord avec ça? Je reviens. Quoi d'autre? Tu veux qu'on la laisse là-dedans? Non, je ne le ferai pas. Lucie! Lucie! S'il vous plaît, allons-y. Mais c'est ici. Je sais. Ça s'ouvre. Mm-hmm. Ça m'a l'air bloqué. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je sais ce que je fais, ok? Stella, calme-toi, ok? Stella, calme-toi, relax. Ok. Ah. Pourquoi ça prend autant de temps? Il l'a laissée dans cet état. Elle est encore en vie? Ce salaud, il va le payer. Il va le payer. Oh mon Dieu. Lucie. Tu sais quoi? Amenons-la chez toi. Oh mon Dieu.
Je vais confronter Richard. Il faut que je fasse quelque chose. Quelque chose, je ne sais pas quoi, qui va le faire souffrir. Ou avoir mis mon ami dans cet état. Stella, essaye de te calmer. Comment ça me calmer? Ce mec mérite une bonne correction. Si au moins je pouvais... Allez les gars, bougez-vous. Ah. Stella. Je pense que tu devrais aller aider l'infirmière. Écoute, on s'en occupe. D'accord, s'il te plaît. Va aider l'infirmière. Stella, il a raison. L'infirmière a besoin de toi. Si on me laisse avec ce sale, je vais lui donner... Bernard. Ah. Tu sais, je... J'aimerais savoir, s'il te plaît. En fait, tu savais pertinemment que ton ami ne serait pas à la maison à cette heure de la journée. Mais t'es venu. Alors, puis-je savoir pourquoi? Vois-tu, j'ai été témoin de la brutalité de Richard envers Luciana. J'avais peur pour elle. Parfois, je venais chez eux pour lui rendre visite, même en présence de Richard. Mais je pense que la dernière fois que je suis allé les voir, il l'a puni pour ça. Je ne comprends pas. Comment tu sais qu'il l'a puni? Le faisait-il en ta présence? Richard est très futé pour le faire en ma présence. Je le connais. C'est mon ami. J'ai utilisé cette même méthode pour les visiter. Et j'ai vu la tristesse sur son visage. En fait, son attitude à mon égard, quelque chose n'allait pas à présent. Richard s'est toujours comporté mal avec moi. En fait, il ne veut plus être mon ami. Tu sais, je l'ai vu s'en aller en fermant la porte comme s'il n'y avait personne à l'intérieur. J'ai pris note. Desmond. Oui. Puis-je te poser une question? N'est-elle pas censée être à l'hôpital? Vois-tu, mon infirmière est aussi compétente que celle des hôpitaux. Oui. La dernière fois où j'ai eu à la voir dans de telles conditions, c'était dans un état plus critique que celui-ci. J'ai voulu l'emmener dans un hôpital, mais elle a refusé. Alors j'ai respecté sa décision. J'ai préféré attendre qu'elle se remette pour pouvoir en parler. Puis, nous en sommes arrivés là. Desmond, c'est mon humble avis. Si tu l'aimes, s'il te plaît, n'accepte jamais qu'elle retourne chez Richard. C'est vrai que je l'aime. Énormément même, oui. Mais si elle veut retourner chez Richard, ce sera sa décision et non la mienne. Eh bien, espérons qu'elle s'en remette. Dis-moi, Bernard, quoi qu'il arrive, s'il te plaît, n'en parle jamais à ton ami.
Ouais, bien sûr. T'es sérieuse là? Ah, je suis vraiment désolée, Becky, que tu aies dû vivre tout ça. Désolée, oh. Chai. Donc, tu veux dire que le mariage a été repoussé? Pour quoi? Des allégations. Que tu le trompes? Il n'a pas de preuves, c'est juste des allégations. Ça veut dire que tu es innocente. Les hommes. Toujours à chercher la petite bête. Désolée, ma puce, désolée. Ah, mon amie. Ma puce, elle est chez moi, oh. C'est moi qui prends soin d'elle. C'est une longue histoire. T'inquiète, je te la raconterai. C'est une longue histoire. Il va falloir que je te laisse. Je dois aller m'occuper d'elle. Oui, oui. À plus. Je suis... Ma puce, je te rappelle. Oh mon Dieu, Lucie? Lucie? Et voilà. On dirait un bébé maintenant. Désolée. Jeune fille, comme ça tu parviens à quoi regarder la télé? Écoute, peu importe où tu verras Desmond, serre-le très fort parce que c'est ton Dieu qu'il a personnellement envoyé pour te sauver. Je sais que je dois vous remercier. Tous les deux, Desmond et toi, vous avez été vraiment incroyables. Donc, reste, termine ton repas. Je vais te ramener chez Richard. Hé, non. S'il te plaît, non. Désolée. Tu dis que tu ne vas pas retourner chez Richard. Mais non. Je ne veux pas retourner au paradis. Je ne veux pas. T'as dû voir beaucoup d'anges. Vas-tu arrêter de rire? Ma chérie a dit non. Aïe, aïe, aïe. Allez, tiens. Non. N'approche pas avec la nourriture. Écoute, je mangerai uniquement si tu promets de ne pas me ramener chez Richard. Je plaisantais, non. On croise le petit doigt. Oh, t'as la main cassée. Comment vas-tu croiser le petit doigt? Je sais, mais mes doigts sont libres. On croise le petit doigt. Entendu. Doucement. Okay. On croise le petit doigt. C'est bon. Plus de Richard. Oh mon Dieu, Richard devrait entendre ça. Merci. Je t'en prie. Comment t'as su que j'adore ce film? Ah, ne suis-je pas ton amie? C'est ta meilleure. Oh mon Dieu. Merci beaucoup. Merci d'être resté en vie. Luciana, peux-tu me dire exactement ce qui s'est passé? Comme tu le sais, Richard m'a battue. Richard a l'habitude de me donner des coups. Genre, il passe tout le temps à me frapper. Alors ce jour, j'ai essayé de, tu sais, éviter ses coups pour qu'il ne me fasse pas de mal. Et c'est là où je me suis brisé le bras. Quand j'ai eu un peu d'espace, je me suis réfugiée dans la salle de bain. Ensuite, j'ai vu Richard me poursuivre avec un couteau. Quoi ? Il essaya d'ouvrir la porte de la salle de bain. Tu sais, il est plus fort que moi. Alors, il m'a fait sortir. Il m'a plaqué au sol. Il s'est mis au-dessus de moi avec son couteau. Et, tu sais, il m'a plaqué à même le sol.
Et il a sorti son couteau. Mm-hmm. Maintenant, ce couteau n'était pas... Je ne sais pas, mais... J'avais tellement peur. Je ne voulais pas que le couteau me blesse. Alors, tu sais, je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à lui tordre la main. Et le couteau s'est retourné contre lui, au niveau de la poitrine. Oui, sa poitrine. On a continué à se battre, Je ne peux pas exactement te dire ce qu'il s'est passé, c'est allé si vite. C'est tout ce dont je me rappelle. J'aurais pu mourir, honnêtement. Il t'aurait suivi. Désolée, qu'est-ce que... Non, rien, juste que... Tu sais, tu peux retourner à l'intérieur. Laisse-moi donc t'apporter ce que je t'ai acheté. Ça va aller. Merci. Je t'en prie. Ah. Oh. Desmond, je... Stella est là. Bonjour, Richard. Oh, désolé, je suis maladroit. Bonjour, Desmond. Je voudrais parler à Stella. Je sais pas, est-ce qu'elle est là? J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas très amis. Alors? Eh bien, je veux dire... Il y a un début à toute chose. Je veux dire, regarde-nous, nous sommes déjà amis et voisins. Tu as raison. Ouais. Bien sûr, tu peux entrer. Ok. Donc, Luciana, je sais qu'elle est à l'intérieur. Permets-moi de profiter de cette opportunité pour la voir un instant. Ok. Attends. Ah, bien y réfléchir, hein. Je vais entrer, puis revenir. Okay. Comme ça, on pourra tous les deux aller voir Stella. Comme ça, alors tu pourras la voir. Parce qu'elle n'est pas à la maison pour l'instant. Ce sera quand elle rentrera. Oh, ok. Ouais. J'ai compris. Ouais. Uh-huh. Ok, je te vois plus tard. D'accord. Uh-huh. Okay. Luciana. Oui. Tu dois partir immédiatement. Desmond, c'est quoi le problème? J'ai mes raisons. S'il te plaît, calme-toi. C'est quoi le problème? Dis-moi. Parle-moi. Il faut partir. Bienvenue dans mon humble demeure. Merci. S'il te plaît, fais comme chez toi. Sois la bienvenue. Merci. Écoute, il ne soupçonnera jamais que t'es ici. Voudrais-tu maintenant que j'implique la police? Non, s'il te plaît. Non, je... Donne-moi un peu de temps. T'es vraiment loyal. Mais tu sais quoi? Il y a une différence entre la loyauté et la stupidité. Eh bien, je comprends très bien ce que tu dis, mais je pense que nous devons attendre. La décision que je prendrai déterminera qui je suis réellement. Tu as été un très bon ami. Merci beaucoup. Un ami. C'est bon de l'entendre. D'accord, j'ai une bouteille de jus bien fraîche à l'intérieur. Alors, détends-toi, je m'en vais te l'apporter, ok? Ok. Ah. Merci. Je t'en prie. Je sais. J'ai
exactement envoyé ce que tu m'as demandé. Là, j'espère qu'on est quitte. Ok, papa. Je le ferai à condition de garder mon poste au bureau. Mais il y a quelque chose d'important dont je voudrais te parler. Papa, j'apporterai beaucoup de changements dans cette entreprise. Et j'aurai besoin de ton aide. Oh, parfait. Affaire conclue. Merci beaucoup, papa. D'accord. D'accord, papa. Salut. Hey, où vas-tu? Ok. Je vais rendre visite à Stella. Écoute, je sais que je ne devrais pas, mais je m'ennuie. Tu es toujours scotché à ton laptop ou à ton téléphone. Et toi aussi, très bientôt, tu seras devant ton téléphone et ton laptop. Tu ne t'ennuieras plus. Ok. Écoute, je ne suis pas très à l'aise de te voir sortir seule. Je t'accompagne. Oui. En tant que quoi? Mon garde du corps? S'il le faut, oui. Dis-moi, est-ce que tu peux te défendre toute seule? Écoute, arrête de crier. Il n'y a pas de quoi se prendre la tête. Je ferai attention. Je serai très, très prudente. Et je pense que Richard doit être très vulnérable en ce moment. Donc, une fois qu'il me verra, si jamais il me voit, il n'aura pas le courage de lever la main sur moi. Bonté divine. Écoute-moi. La vulnérabilité n'a rien à y voir avec la maîtrise. Je veux dire que s'il était aussi vulnérable que tu le dis, à l'instant, il serait déjà allé se dénoncer à la police. Et aussi signaler ta disparition. Écoute, je ne te retiens pas. Mais je serai là, au cas où tu aurais besoin de moi. Ok. Merci, Desmond. Tête de mule. Merci, Desmond. Je reviens tout de suite, d'accord? Hein? Tu n'es pas sérieuse? J'essayais juste d'aider quand ma soi-disant belle-sœur m'accusait d'avoir couché avec son mari. Mais c'est ridicule. Je sais. Mais Becky, que faisais-tu dans la chambre de cet homme? Et lui, le sexe en l'air. Mais je viens juste de te le dire. Je suis entrée dans la chambre et j'ai trouvé le monsieur sous la table. Quand il m'a vue, il s'est précipité dans la salle de bain et sa sœur m'a accusée d'avoir couché avec lui. Cette histoire semble tirée par les cheveux. Mais chérie, je ne crois pas un mot de ce que tu racontes. Bah, si tu le dis. Regardez-la, ferme-la, je ne suis pas dupe. Hein? Lucie, mais qu'est-ce que tu fais là? Je comptais bien venir chez toi, juste après avoir accompagné celle-ci. Mais je suis venue voir ma meilleure amie. C'est elle, ton amie la femme battue. Excuse-moi. Moi, frappée. Becky. Je suis désolée. Et s'il lui arrivait malheur? Ah, non. Je ne me le pardonnerai pas. Tu vois, ma puce, je me demande toujours pourquoi est-ce que j'ai supporté toute cette douleur. Je veux dire,
Je ne sais pas pour quelle raison j'ai supporté tout ça. Tu aurais dû te focaliser sur tes poèmes au lieu de t'engager dans une relation toxique. Hein? Becky. Quoi? Tu es mieux qu'elle? Tu l'es? Je ne peux pas compter le nombre de relations dans lesquelles tu as été. Environ 5 relations, si je n'abuse pas. Et tu as littéralement été rejetée de la même manière. Sache que tu n'es pas mieux qu'elle. Ma situation est meilleure que la sienne. Non, tu te trompes, Becky. Tu te trompes. Nous avons tous nos vieux démons que nous essayons, tant bien que mal, d'exorciser. Et toi, tu as aussi les tiens. Et tu penses pouvoir les cacher en te faisant draguer ici et là, en t'éclatant dans toutes les soirées. Elle a également les siens. Je suis sûre qu'elle finira par les exorciser. Je ne suis pas la bienvenue apparemment. Non. Pas besoin de t'en aller. Reste s'il te plaît. Oui, fais-le. Il est temps que tu partes. À la prochaine. Continue de te faire bastonner. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Espèce d'idiote. Oh. Stupide fille. Je suis vraiment désolée. Lucie, je suis désolée. C'est mon amie. Je pensais que vous auriez pu être des amis aussi. C'est pour ça que je lui ai donné des détails. Désolée. Je suis vraiment désolée. C'est bon. Ça va, je peux comprendre. T'as pas besoin de te faire du souci. Tu es mon amie. Alors, t'en fais pas. Je suis vraiment... Qu'est-ce que je suis bête. Non, c'est bon. C'est juste que, tu sais... Ton amie, elle... Oh, j'en ai ma claque, mon Dieu. Oh, je vais la frapper, je vais... Tu vas la frapper, sérieux. Tu vas la frapper, sérieux. Mais sérieusement, c'est fou la manière dont les choses ont tourné. Ça, tu l'as dit. Les gens jugent les autres pour des choses qu'ils font en secret, oh, je te le dis. Et ils n'ont aucune idée des choix difficiles auxquels ces personnes sont confrontées. Tu sais les choix qu'elles doivent faire. Je ne les comprends pas, vraiment. Pas du tout. C'est fou. Voilà, Bernard et moi, nous discutions dernièrement au sujet des réseaux sociaux, comment les gens, tu sais, essayent n'importe quoi. Et ceci contribue à en effet, pervertir les mœurs. Oui, tu me rejoins. Je te le dis, c'est tellement bête. Très bête. Ah. Qui est-ce? Un instant, je vais voir. Ok. Hey! Oh. C'est Desmond. Je ne sais pas. Peut-on retourner chez moi à présent? Desmond, ça ne fait que quelques minutes que je t'ai laissé. Ah, ne t'en fais pas. Stella viendra avec nous. Ah oui? Oh, j'aime ça. Oh, s'il te plaît, arrête ça. Stella, fais gaffe. Oui. Tu sais quoi, je suis à l'aise ici et avec toi ici, je ne crains rien. Assieds-toi, nous discutions de quelque chose de très important. Oui, nous parlions de la nature humaine, comment adapter l'humanité, de quelque chose à faire pour une vraie humanité. Voilà. Ma meilleure amie est très intelligente. Très intelligente. Je sais. Merci, tu vas apprécier. Il y a quelque chose que j'ai mis sur écrit, je reviens. Ok. Tu t'en vas? Non, je vais à ton appartement chercher quelque chose. Je vais te montrer, tu vas apprécier. Ok. Juste une minute. T'en fais pas, je lui tiendrai compagnie. Fais attention. Quand t'es sur elle.
Alors, mon nom c'est Stella, ça tu le sais déjà. Veux-tu en savoir plus sur moi? Ok, là, c'est ici que j'ai passé mon enfance. Ok, regarde celle-ci. Je mangeais du foufou. Tu m'as l'air un peu distrait. Tu disais? Tu m'as l'air ailleurs, je te montrais mes photos d'enfance. Oh, oh. Pardon d'avoir été mal poli. Je t'ai perdu dans mes pensées. C'est bon. Écoute, tous nos souvenirs d'enfance sont ce qui reste gravé dans nos mémoires. Tu as raison. Ouais. Tu vois, en quelques secondes, tu te rappelles de toute ta vie. Très drôle. Ok, accouche. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait des heures que Lucia a quitté mon appartement. Comment tu penses vraiment qu'elle a pu se perdre en chemin? Qu'y a-t-il de drôle? Désolée. Des heures, tu dis? Mais ça ne fait que 10 ou 15 minutes. Je suis ce qu'elle allait faire, ce que les femmes aiment faire. Tu sais, prendre un bain, bien se parfumer. Tu sais, elle veut revenir toute belle et toute fraîche pour toi. Je ressens... Qu'est-ce que t'as? Je ne sais pas comment le décrire. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Luciana, et en froid avec Richard aujourd'hui. Sache que c'est de ta faute. Tu en es responsable. Oui, toi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais mon homme aveugle verrait à quel point tu es fou de Luciana. La façon dont tu... C'est tellement physique. Oh, s'il te plaît. Je suis sûr que Richard s'en est aperçu, intelligent qu'il est. Ne trouve pas des excuses à cette espèce de monstre. Je blaguais. Tu dis quel côté, toi? C'était une blague. Une blague? Ah, Desmond. Ok, si t'es inquiet, va la chercher. Moi, je reste ici, regarder mes photos d'enfance. Merci.
Je ne veux même pas savoir ce que tu fais là. Dis-moi, s'il te plaît, t'a-t-il frappé? Parce que si c'est le cas, Dieu seul sait, je vais le bouffer tout cru. T'a-t-il frappé? Lucie? Oh. Les vêtements de Becky. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Je t'assure que je n'étais pas au courant. Je suis désolée. Je jurais vraiment tant trop passé. T'es là! Je vais aller régler son compte. Juste, laisse-moi. Attends. Arrête! Arrête! Pourquoi elle a fait ça? Seigneur, j'espère que ce n'est pas Richard. Je vais aller le tuer avec ce truc. Calme-toi, arrête. Laisse-moi tuer ce salopard. Calme-toi, calme-toi. Je voudrais m'en occuper toute seule, ok? Es-tu vraiment sûre? Stella, laisse-la faire. Stella, calme-toi. Détends-toi. Qu'est-ce que tu veux, Richard? Bébé, je suis désolée. Luciana Ambrose. Ok. Luciana Ambrose. Désolée, bébé. Luciana Ambrose, Richard. Ok. Écoute, je ne sais pas ce qui m'a pris, ok? Écoute, ce jour-là, elle est venue frapper à la porte et elle a demandé après toi. Elle voulait te voir. Tout ce que j'ai fait, c'est d'essayer d'être poli envers elle en lui demandant d'entrer et de s'asseoir au salon. J'essaie également de faire en sorte qu'elle n'ait aucun soupçon sur le fait que tu ne sois pas là, bébé. Bébé. Luciana Ambrose Richard. Ok, ok. Ok. Lucienne, j'étais complètement effrayé et vulnérable. Et une chose en a entraîné une autre. Oh oui, vous vous êtes retrouvé sur le lit. Tu as pris ta queue. Tu as pris ta... Écoute, si t'as rien d'autre à dire, je pense que je vais retourner à l'intérieur. Bébé, s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Dois-je dire quelque chose? C'est tout ce que j'ai à dire, Richard. Oui, je veux dire, dis quelque chose. Ce que tu veux, mais dis quelque chose. Je vais te dire quelque chose, Richard. J'ai une côte fêlée. Désolé. J'ai également une main tordue. Bébé, je... Richard, savais-tu que la nuit, je fais des cauchemars? Maintenant, laisse-moi te rappeler une chose. Tu te rappelles quand nous étions à l'école? Merde, qu'est-ce qui m'arrive? Oh merde, je ne verserai pas une larme pour toi. Ça jamais. Te souviens-tu quand nous étions à l'école? Hein? La petite cicatrice sur ma tête. Tu te souviens? J'ai des violents maux de tête depuis lors. Et des cauchemars dont je parle. Chaque fois que je me réveille dans cet état, je transpire abondamment. Et tu sais qui me poursuit? Toi. Toi, Richard. Bébé. Bébé, je suis désolé. Oh, tu es désolé, tu t'agenoues. Oh, désolé, wow! S'il te plaît. Richard, tu t'agenoues? Alors, tu peux t'agenouiller? Richard, j'ai pensé que tu pouvais changer. C'était la raison pour rester avec toi. J'ai prié. J'ai espéré.
Mais non! T'as pas du tout changé! Je n'ai pas cessé de te tendre la main, mais non! Tu as voulu briser mon esprit comme le tien a été brisé! Je suis désolé. Non, tu n'es pas désolé! Tu n'es pas désolé, tu as besoin d'aide! Tu as sérieusement besoin d'aide! Et je ne peux plus le supporter! Je te promets de changer. C'est un peu trop tard pour ça. En fait, ce n'est pas un peu tard, c'est trop tard pour ça. Juste parce que je suis venue ici, raison pour laquelle tu es venue avec... avec tout le respect, tu sais. Pour te dire que tout ça, c'est terminé. Tu ne peux pas supporter. Tu sais, tu m'aurais dit ce que tu avais à l'esprit. Moi, j'aurais fait pareil, mais non. J'avais du respect pour toi. J'avais du respect pour tout ce que nous avons partagé. Et toi, je pensais que tu l'avais. Richard, tu as besoin de voir un thérapeute. Et s'il te plaît, tiens-toi loin de moi. Car si tu ne le fais pas, je te craindrai en justice. Évidemment, Stella a une dent contre toi. Pas juste une, pas deux, pas même trois. Donc tu ferais mieux de te tenir à carreau. S'il te plaît, la ferme! Ordure! Luciana! 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 Seigneur! Je suis désolée, désolée. Mon Dieu, non. Ah, t'es déjà réveillée? Oui, bonjour. Bonjour. Tu es vraiment très très élégant. Où vas-tu habiller ainsi? Ok, je vais te le dire. Vois-tu, je fais une visite dans l'entreprise de mon père. En tant que directeur général, pour la première fois. Je ne m'y étais pas rendu depuis qu'il m'a nommé. Mes félicitations. Merci. Et je sais que tu seras un très bon chef. Ah. Merci infiniment. Je vois que tu t'es remise à écrire. Oh oui. Oui, je l'en fais. Tu vois. Je suis contente que tout soit terminé et... En fait, je pense avoir trouvé ma voie et je retourne à mes anciens amours. Je suis content pour ça. D'accord. On se voit, amoureux. Je le sais déjà. Quoi? Ai-je fait quelque chose de mal? D'accord. Tu n'as rien fait de mal. C'est juste que, tu vois, la menace a été écartée et je ne trouve vraiment pas raisonnable et indiqué d'être avec un homme, tu sais, habité dans la maison d'un homme. Alors, actuellement, Stella a accepté que j'aille vivre avec elle. Wow. C'est génial.
Tu vois, je dois l'avouer, tu es une femme d'honneur et de dignité. Et je suis content que tu veuilles montrer cette partie de toi au monde entier. Merci. Je t'en prie. Ok, je peux t'emmener manger à mon retour? Ça marche. Mais s'il te plaît, peu importe ce que t'es en train d'écrire là, envoie-le-moi dans mon email. J'aimerais lire ton cher journal. Pas de souci. D'accord. Merci. Ok, passe une bonne journée. Merci. Donc j'aurais besoin que vous soyez tous au top, parce que désormais le boss va travailler avec nous. Je voudrais qu'on soit donc tous posés, ok? Que tout le monde réagisse normalement, ok? Oui, monsieur, d'accord. Oui. J'ai reçu un rapport disant qu'il prendra service. C'est une information qui vient de la hiérarchie. Je ne sais pas exactement combien de temps il mettra ici. Il sera le nouveau directeur des opérations techniques, ok? Ok, monsieur. Il y aura également des changements dans nos différents départements. Ouais. Basé sur certains détournements. Je ne sais pas encore exactement comment tout ça va se passer dans cette entreprise. Ça a un impact sur les revenus de l'entreprise, mais je pense qu'il sait exactement ce qu'il fait. J'espère que nous le saurons bientôt. Bonté divine. Alors, c'est donc vous, le fameux Richard Gardfield. Oui, oui, monsieur. Très intéressant. Bienvenue, monsieur. Je m'appelle Desmond Longman. Je suis le nouveau directeur des opérations. C'est l'entreprise de mon père. Soyez les bienvenus à ma première réunion avec vous. Merci, monsieur. Nous pouvons commencer. Merci. Parfait. Continuez. Merci. D'accord. Marie. Oui, monsieur. Vous faites du bon boulot. Merci, monsieur. La compagnie apprécie votre travail. S'il vous plaît, continuez ainsi. Merci, monsieur. Simon. Oui, monsieur. Vous faites aussi du bon boulot. Merci, monsieur. Maintenez le cap. Merci, monsieur. Monsieur Richard Gardfield. Monsieur. La compagnie reconnaît vos efforts de loin en tant qu'ancien directeur des opérations. Suite à votre expertise et de vos compétences,
Et après quelques enquêtes de moralité, vous êtes désormais, par la présente note, muté en tant que directeur dans la nouvelle branche de Sokoto. Cette nomination prend acte avec effet immédiat. Vous libérez donc votre résidence actuelle appartenant à la compagnie au détriment d'un nouvel occupant. Félicitations. Merci. Merci. Nous comptons tous sur vous. Mais si cette nomination ne vous intéresse pas, s'il vous plaît, veuillez nous envoyer votre lettre de démission avant la fin de ce week-end. Mes félicitations une fois de plus. Oui, monsieur. Merci. Je vous en prie. Ok. Maintenant, soyez attentifs. Cette compagnie n'acceptera pas aucune forme de laxisme ou d'incompétence. La compagnie reconnaît vos efforts de loin en tant qu'ancien directeur des opérations. Suite à votre expertise et de vos compétences, et après quelques enquêtes de moralité, vous êtes désormais, par la présente note, muté en tant que directeur dans la nouvelle branche de Sokoto. Cette nomination prend acte avec effet immédiat. Vous libérez donc votre résidence actuelle appartenant à la compagnie au détriment d'un nouvel occupant. Félicitations. 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 Nous comptons tous sur vous. Mais si cette nomination ne vous intéresse pas, s'il vous plaît, veuillez nous envoyer votre lettre de démission avant la fin de ce week-end. Mes félicitations une fois de plus. Merci. Je t'en prie. Voilà. On organise une fête pour Luciana. Ça te dit de venir? Je ne pense vraiment pas qu'elle ait envie de voir ma tête. En plus, tu sais que j'ai été muté à Sokoto. Ouais, je sais. Alors, penses-tu à suivre la thérapie qu'elle t'a suggérée? Très drôle. Ah, c'est un remake. Tu le feras. Elle en a également besoin parce que... Meg, tu as vraiment, Lola, vraiment traumatisé cette fille. Mais bon, c'est la vie. J'apprécie vraiment beaucoup l'aide que tu m'apportes, surtout en ce qui concerne Luciana. Merci d'avoir été là. Et aussi d'avoir outrepassé ma stupidité. Richard, tu sais que tu es mon ami, non? Écoute, je ferai tout du moins. Tu sais que Luciana est notre femme. Mais ce qui est arrivé est arrivé. C'est la vie, c'est la vie. T'a-t-elle envoyé une invitation? Pourquoi pas? C'est moi, Bernard. Je lui ai sauvé la vie, tu as oublié? Je vois. Essaye encore. Ok, je vois. En tout cas, comment est-ce que tu as géré cette histoire entre ton cousin et Lucas? Oh. Quel nom as-tu finalement décidé de donner à ces chaussures?
C'est officiellement T-Boy. Qu'est-ce que ça signifie? Ne t'en fais pas, c'est mon choix. Je veux qu'on m'appelle ainsi. Ah, ouais. Comme Flyboy. Ah, Richard, qu'est-ce que t'as à m'offenser, mec? Bien sûr que je suis un chic type. Allez, mec, allons-y. Le chic type. Allons-y, allons-y. Ok. D'accord, laisse-moi juste... Laisse-moi prendre un truc dans ma voiture. C'est cool. Mais bien sûr. Non, vraiment. Je ne suis pas triste. Ok, bonjour à mon boss. Bonjour à Luciana Ambrose. Je suis venu dire félicitations. Va droit au but, Richard. Ok, je suis venu pour te féliciter pour ton nouveau statut de multimillionnaire. Je dois dire que tu l'as vraiment mérité. Félicitations. Quelqu'un pourra lui donner un verre? Oui, s'il te plaît. J'en ai vraiment besoin. Ouais. Tu m'en sers un peu? Vas-y. Ouais. Ouais. Je pense que c'est suffisant. Pour Luciana Ambrose. Luciana Ambrose! Santé. Alors, chérie, santé. 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 Merci. Santé, mec. Santé. 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 Waouh. Alors. Oui. Je voudrais dire un grand merci à tout le monde d'avoir honoré à notre invitation. Je suis comblée de joie. Et à ma meilleure amie, merci! Merci. Je vous remercie tous. Je t'en prie. Luciana. Oui. S'il te plaît. Épouse-moi. Quoi? Allez, dis oui. Bien sûr. Merci. 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 Wow. Wow. Félicitations. Merci. Je suis tellement content. En effet, aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Alors, je vous remercie tous d'être venus. Et je vous promets, vous allez adorer. Félicitations à mon patron. Félicitations, ma fille. Félicitations. Félicitations. Merci, merci, merci. Oh, merci beaucoup. Ouais, félicitations. Ok. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.